Salut mes précieux, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le bilan couture. Je constate que je suis toujours en retard avec les bilans couture. J'avais décidé de faire les bilans couture chaque 3 mois, mais j'ai l'impression que je ne suis pas trop mon planning. Bon, c'est pas grave. C'est ma chaîne, je peux faire ce que je veux. Ou bien. Alors, ça, c'est le bilan couture du mois de mars, avril et mai. C'est ça, non? Janvier, février, mars. Oui, janvier, février, mars, avril et mai. Non. Je vais faire mon bilan et je vais vous montrer les créations que j'ai réalisées au mois de avril, mai et juin. Je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce bilan couture sera un peu minimaliste parce que j'ai constaté que je n'ai vraiment pas cousu. Je n'ai pas cousu assez. Voilà. Entre ce que j'avais dans la tête, entre la niaque que j'avais, entre la vie réelle, voilà, parfois la vie ça nous rattrape, donc ça m'a rattrapé. Donc du coup, les créations que j'avais vraiment envie de réaliser, je ne les ai pas réalisées comme je voulais. Bon, c'est pas grave, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai pu réaliser. J'ai quand même cousu pas mal de choses. Allez, c'est parti. Donc ça sera le bilan couture minimaliste, générique. Bilan couture, j'ai réalisé cette jupe. Je vais laisser de temps en temps les captures d'écran sur le côté pour voir la jupe portée. Aujourd'hui, je pourrais pas faire les échanges de voilà de tenue parce que je dois sortir après avoir tourné cette vidéo. Pourquoi je vous raconte même tout ça? Ça vous sert à rien. Mais je vous dis quand même. J'ai réalisé cette jupe avec la fente sur le côté. J'avais réalisé une vidéo où je montrais comment réaliser une jupe avec des fronces sur le côté. Mais cette jupe, je ne voulais pas les fronces. Donc, j'ai juste travaillé avec la fente sans rajouter les ficelles pour tirer, pour que ça me fasse des fronces. Donc, c'est possible. Et le tutoriel est sur la chaîne pour les personnes qui aimeraient se réaliser ce genre de vêtements. C'est une jupe avec du jersey. Ça, c'est le jersey de coton. Et vraiment, j'aime beaucoup la portée. Elle est sexy avec la fente de la gloire glorieuse pour les personnes qui veulent avoir ce patron personnalisé, c'est-à-dire avec leur propre mensuration. J'ai tous les liens dans la barre de description. Vous pouvez commander certains patrons que je montre sur la chaîne, mais avec vos propres mensurations. Donc, vous commandez et vous recevez automatiquement un message qui vous demande de m'envoyer vos mensurations. Et là, vous m'envoyez vos mensurations et moi, je retrace le patron avec vos mensurations et vous recevez votre fichier PDF en format A4 et avec le format PDF A0 que vous pouvez faire imprimer dans une imprimerie et si vous ne voulez pas passer le temps à coller les feuilles en fait. Donc, c'est ça. Facile comme bonjour, vous connaissez. Sinon, le tutoriel est disponible sur la chaîne. Je vais également laisser le lien dans la barre de description. J'ai également réalisé cette jupe. C'est une jupe simple. J'ai utilisé la jupe de base pour les tissus de type jersey. Une jupe de base très très simple. Voilà, c'est juste la jupe de base. J'ai réalisé ceci. C'est sans fente. C'est une jupe que je porte à la maison, quand je suis à la maison. Et elle est vraiment très agréable à porter. Elle est sexy. Faut être sexy à la maison. C'est très important. Les femmes me comprendront. Et pour les personnes qui commandent leur patron personnalisé, pour la jupe à France, elles reçoivent également la jupe de base pour les tissus et la stand gratuitement. C'est inclus dans la commande en fait. Mais je sais pas si ça vous intéresse que je sorte ce produit, la jupe de base avec toutes les tailles, mais en jupe de base pour les tissus et la stand. Dites-moi si ça vous intéresse comme ça. Je vais créer ce produit sur plusieurs tailles et comme ça, à chaque fois que je veux faire des modifications, voilà, vous pouvez acheter cette base et vous pouvez travailler les modifications avec moi comme on a l'habitude de faire ces derniers temps avec le patron de corsage de base. Donc ça, c'est la jupe de base. J'ai juste rallongé et voilà, j'avais ma jupe quoi. Merci comme bonjour. Nous sommes toujours sur du jersey. J'ai également réalisé cette robe. Cette robe moulante avec voilà, la fente également ici et des fronces, genre on peut tirer. En fait, j'ai été inspirée par le modèle de la jupe française et je voulais un haut en même temps. Je voulais faire la jupe et le haut. Après, j'ai dit non, je veux une robe. J'ai travaillé avec mon patron de base pour les tissus de type jersey. Pour les personnes qui aimeraient réaliser leur patron de corsage de base pour les tissus de type jersey, je vais vous laisser le lien de la vidéo en bas de description, le tutoriel comment réaliser son corsage de base pour les tissus de type jersey. Regardez et vous réalisez votre
patron de base, mais ça sera uniquement pour le tissu élastant en fait. Donc c'est ça que j'ai utilisé et j'ai mélangé avec le bas de ma jupe pour obtenir la robe. D'ailleurs, il y a d'autres qui m'ont demandé le patron aussi, mais je ne l'ai pas encore fait. Sincèrement, vous m'avez demandé plusieurs choses, mais ce n'est pas évident s'il faut que je fasse tous les patrons. Non, je fais comme je peux. Donc voilà, très agréable à porter, très sexy et très féminine. Voilà, avec des manches intégrées. Vraiment, ça, c'est vraiment un patron facile pour les débutants. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous partager ça, mais les finitions sont vraiment très faciles. J'ai juste fait l'ourlet. Voilà, vraiment facile pour les débutantes en fait. Et les manches, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et c'était rapide à réaliser. On reste toujours sur les tissus de type jersey. J'ai réalisé ce magnifique top. Ouh! Vous avez beaucoup aimé et moi également, je porte avec un jean taille haute et l'imprimé est juste magnifique. Et ici, j'ai juste fait la version, on va dire, avec un collier de t-shirt, vraiment très simple. Ça aussi, il y en a qui m'ont demandé le tutoriel, mais après, franchement, c'est pas facile. Entre faire le tutoriel et travailler sur mes produits, c'est pas évident. Donc, vous allez m'excuser et vous allez juste attendre. Le jour, ça sera disponible, vous allez voir sur la chaîne. Donc, nombreux m'ont demandé ce modèle, mais j'ai pas encore fait le tutoriel. Donc, j'ai réalisé ça. Ceux qui ont regardé ma vidéo où je vous montrais les tissus, j'ai encore ce tissu. Normalement, j'aurais aimé me réaliser une robe là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait. Mais sinon, j'ai encore assez de tissu pour réaliser ma robe avec. Mais c'est un tissu que j'aime vraiment. Mais ça, c'est un modèle vraiment... C'est pas compliqué. C'est pas facile comme bonjour, mais c'est pas compliqué. J'ai également réalisé cette magnifique robe ample. Voilà la robe. Robe ample. Dommage, je ne peux pas essayer. Donc, c'est vraiment une robe vraiment très ample, comme vous pouvez voir là. Elle est bien large. C'est un peu comme une robe kaba parce qu'elle est dense vraiment sur moi et c'était l'objectif. Je ne voulais pas quelque chose de cintré. Et voilà, j'ai partagé le tutoriel sur la chaîne. Vous avez aimé. Je vais toujours laisser le lien en bas de la description pour les retardataires. Alors, la robe, j'ai utilisé mon patron de corsage de base sans pince. La version PDF, c'est ça que j'ai utilisé pour réaliser ma robe. Le tissu, c'est de la viscose et c'est vraiment c'est très agréable dans ce qu'on porte. Donc, voilà, une robe simple comme ça que vous pouvez réaliser. Avec juste le patron de corsage de base sans pince. Pour ceux qui ont le corsage de base avec pince, vous ignorez juste les pinces et vous cousez votre robe. Le tutoriel est sur la chaîne et c'est facile comme bonjour. Donc il y a cette robe. Il y a ce short que j'ai réalisé. Je n'ai pas partagé de vidéo. J'avais partagé un short où je vous montrais comment j'ai cousu mon short. Je pense même pas que je montrais comment j'ai cousu mon short. Parce que je dansais, moi, ma chose, comme vous connaissez, je dansais. Et voilà, je vous ai montré que j'ai réalisé un short. Et le short, je l'ai réalisé avec mon patron de pantalon de jogging. Ce qui est bien avec les patrons, c'est que lorsque vous avez un patron, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Donc, je me suis servi du pantalon. Je me suis servi du patron du pantalon de jogging pour réaliser ceci. J'ai juste diminué la longueur et j'avais... mon short en fait. Ceux qui ont déjà regardé ma vidéo sur comment réaliser un pantalon jogging du patron jusqu'à la confection, en fait c'est ce patron que j'ai utilisé. Comme je propose également des patrons sur mesure et j'ai toujours ce patron qui peut être commandé avec vos propres mensurations. Donc je vous réalise votre patron avec vos mensurations et vous l'avez en PDF mais avec vos mesures. Et un patron, vous faites votre patron jogging avec un tissu de type jersey. Vous le faites avec le tissu en pagne. Vous faites même votre short et voilà. Un patron, hein. Je le porte aussi à la maison. Hein. Comme il fait chaud là, de temps en temps. Ces derniers temps, il ne fait pas très chaud. C'est pas de votre côté, mais de mon côté là, il pleut beaucoup. Avec le même tissu, j'ai réalisé cette magnifique robe kaba que j'avais partagée sur la chaîne kaba avec un collier carré, avec ce petit détail ici là au niveau des manches. D'ailleurs, ce tissu, je l'avais acheté lorsque j'étais allée à Matongue pour la première fois avec une de mes abonnées, Lynn. Coucou Lynn, big up à toi. J'avais acheté ce tissu là-bas et il me reste juste encore un bout avec un tissu de sillage. J'ai fait
une robe kaba, un short, et il me reste encore un petit bout. Je peux faire un petit projet avec. Donc ça, je l'ai mélangé avec un des tissus que j'avais acheté au marché. C'était un coton de couleur rose, donc j'ai fait ce mélange et je kiffe. Franchement, je kiffe. Voilà une robe kaba comme ça que vous pouvez réaliser avec le patron de corsage de base sans pince. Et voilà, vous avez ça. J'ai également réalisé ce tote bag. C'était à l'occasion d'un challenge couture qu'on avait réalisé entre youtubeuses couture dans le but de se soutenir. Il y avait plusieurs qui ont réalisé d'autres choses. Moi, j'avais réalisé un tote bag où j'ai mélangé, comme vous voyez là, le simili-cuir avec le tissu wax. Et la différence avec mon tote bag, c'est que ici, c'est froncé pour ajouter juste un petit détail. Et à l'intérieur, j'ai le tissu wax, comme vous pouvez voir là. Donc, toujours avec le même tissu, j'ai réalisé le tote bag avec. Et ce tote bag, je le trimballe un peu partout. Je l'aime trop. J'ai également réalisé cette robe simple en wax avec des petites fronces vers le bas là. C'est un tissu que j'avais également acheté lorsque j'étais à Matongé. Vraiment, une robe très simple. La voici. Réalisée avec mon patron de corsage de base sans pince. Avec des finitions vraiment très simples. Finition au biais de tissu sur les manches et une parementure au niveau de l'encolure. Et là, sur le dos, une ouverture avec un petit bouton comme vous pouvez voir. Donc, ça c'est aussi un projet vraiment très simple. La robe, elle est droite. Elle n'est même pas droite, elle est légèrement évasée. J'ai pas tellement modifié le patron de corsage de base. Juste enlevé quelques centimètres au niveau des épaules et au niveau de l'encolure. Et j'avais la robe en quelques minutes. Juste avec le patron de corsage de base. Je suis également en train de réaliser cette robe à volant qui n'est pas encore terminée. Je sais pas, je pense que ça fait presque un mois que je suis sur cette robe. Tout simplement parce que je n'ai pas cousu d'un trait. À chaque fois que j'évolue dans la couture, il y a une autre activité qui occupe mon temps et je mets la robe de côté. Après une semaine, je reviens. Donc, je pensais pouvoir vous la présenter, porter, mais jusque là. Mais je pense que j'ai quand même une photo. Lorsque je fais les essayages, vous pouvez quand même voir à quoi ça va ressembler. Donc, du coup, je pense que vous la verrez lors du prochain bilan de couture. C'est-à-dire porter, en fait, que ce soit en photo ou en vidéo. Il manque encore une manche que je dois compléter. D'ailleurs, voici les... Voici la manche que je dois encore compléter. J'ai des fronces encore à faire là pour la manche. Donc c'est un peu chaud. Je n'ai pas encore terminé. J'espère terminer la robe cette semaine. Si je termine pendant que je dis la vidéo, si j'aurais terminé, je vais la porter. Sinon, vous allez seulement la voir sur moi dans un prochain bilan de couture. Cette robe également, je l'ai réalisée avec mon patron de corsage de base en version PDF. J'ai réalisé une vidéo où je vous montre le nombre de créations que vous pouvez réaliser juste avec un patron de base. Et pour les flemmards, le patron de base, la version PDF, est là pour vous faciliter la tâche, surtout pour des modèles simples, des modèles amples. Vous n'avez qu'à commander votre patron et je vous montre toutes les modifications sur la chaîne, que ce soit les modifications récentes ou les modifications des années passées. Du moment où c'est le corsage de base, vous suivez les mêmes étapes et vous arriverez au même résultat. Je vais vous laisser déjà le lien de la vidéo où je vous présente tout ce que vous pouvez faire avec le patron de corsage de base. Comme ça, ça va vous donner les idées. Mais sinon, cette robe, c'est toujours avec mon patron de corsage de base sans pince. Donc, pour ceux qui sont toujours intéressés, n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Il y a tous les liens là-bas pour commander, que ce soit des patrons personnalisés, que ce soit des patrons PDF sur plusieurs tailles. D'accord? Voilà mes prêtis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce bilan couture vous a plu. Le prochain bilan couture, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Bon, après, juste avoir après. Juillet, août, septembre, donc disons peut-être en fin septembre si Dieu le veut, je reviendrai avec le prochain bilan de couture. J'espère vraiment que je pourrai coudre encore des vêtements. Je ne sais pas, c'est vraiment pas facile avec la couture. Je pense que je suis pas la seule. Toutes les couturières, on a trop d'idées de couture, mais le temps parfois fait défaut. Encore tous mes tissus que j'avais achetés, je n'ai pas acheté des tissus ces derniers temps. Juste des tissus wax, je pense que j'ai acheté 4 tissus wax. Donc j'ai été raisonnable, mais les autres tissus, je n'ai pas fait d'achat. Quand je vois mes tissus là, franchement, je n'ai même pas envie d'acheter un tissu parce que je me dis, bon,
déjà ce que j'ai, je n'ai même pas encore tout cousu. Bref, beaucoup de courage à toutes les couturières, à toutes les couturières créatrices de contenu. C'est encore plus difficile pour nous parce que nous, on coupe, on filme, on édite. C'est-à-dire, le temps que moi, je prends pour coudre, toi qui ne fais pas la vidéo comme moi, on a le même temps. Et après, voilà, toi, tu peux porter ta création, mais moi, je dois éditer ma vidéo. Entre-temps, quand je coupe en filmant, donc déjà, le temps n'est plus pareil. Donc, c'est pas vraiment évident. N'hésitez pas à nous soutenir en likant les vidéos, en partageant et en commentant. Parce que c'est ça qui fait en sorte que, même si on veut se décourager, ça nous donne toujours l'envie de ne pas laisser tomber et de continuer à vous partager du contenu. Et voilà quoi. Bon, je vous embrasse très fort. Je pense qu'il y a trop bavardé comme ça. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bye bye!